Yo tout le monde, c'est Authentic Gamer, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble la cinquième partie de mon challenge, hein, je vous rappelle, qui est de faire une vidéo jour pour jour durant un mois complet. Donc là on commence plutôt bien, tueur immobile. Attendez, là on va essayer de l'ajuster parce que le mec il va revenir ici. Je vous l'avais dit. Ah putain, dommage. Dommage, j'avais quand même de l'idée, mais ça marche pas tout le temps, quoi. Donc j'ai décidé de jouer à la Pharo parce que sur Combine, je vous promets que l'ICR fait rager très facilement. Et donc du coup... Bah, ouais, je veux dire la Pharo aussi, mais bon, ça c'est différent. Et donc du coup, bah, j'ai préféré prendre la Pharo parce que c'est beaucoup plus facile, enfin, beaucoup plus facile, oui, à utiliser, c'est en termes de facilité, pour cette carte. Parce qu'avec l'ICR, hormis ici, et puis le grand truc, la grande vision qu'il y a autour du point B, elle me sert à rien. Comme il savait que j'étais là, une spéciale, non? Ah oui, ok, d'accord. Oula, ça va, c'est tranquille, hein, les spawns. Tranquille, les spawns, hein. Oula, putain, il y a comme un lag de connexion, j'ai l'impression. Une petite intermittence là. On va perdre C, ça veut dire qu'ils sont sur C. Personne ici. Là oui. Personne là. Mec là je dois être suivi à mort parce que vu que j'ai pas de silencieux. Oula, là c'est vraiment horrible, hein. Vous avez vu les face-à-face, on croit vraiment un jeu d'image. On croit un jeu d'image qui est vraiment dépixelisé. C'est un petit peu dégueulasse, hein. Là je reconnais vraiment, franchement, que la PS4, il y a aucune comparaison à faire comparé à la PS4, quoi. Super. Super, super. Donc bon, on va dire que je m'en sors bien parce que je suis pas mort. Avec les bugs de connexion, c'est vrai que c'est assez rare de pas mourir comme ça. Tu as sauté. Ah, quand tu veux, grenade. Ça c'est bon, nickel. Pousse-toi, merci. Bah, on va aller ajuster ceux-là qui sont là. Oula, on va pas trop forcer ici. On va aller l'accueillir ici. À mon avis, le mec pense toujours que je suis au duel. Bah non, en fait. Là c'est chaud! C'est chaud la connexion! C'est bien trop chaud! Vous avez vu le jeu de Dieudonné, quoi! J'ai un petit truc à vous raconter. Donc vendredi dernier j'étais à la patinoire et je me suis cloqué à cause des patins. Oui, parce que pour faire la patinoire, hein, il faut des patins, hein, de toute évidence. Et donc j'ai décidé donc vendredi soir à 1h de percer ma cloque pour mettre un terme à mes douleurs. Et donc du coup j'ai saigné. Donc là j'ai une croûte. Et juste avant de faire la vidéo, j'ai collé mon pied contre le barreau de ma chaise et j'ai jonglé sa race. Je vous jure que j'ai super mal et ça pique. Et donc du coup je ressaigne de nouveau. Et franchement je crois vraiment que cette cloque là elle va me faire chier toute ma vie. Enfin, c'est une façon de parler. Donc on arrive déjà à level 53. Ouais, en fait, une vidéo par jour, ça fait donc du coup un total de 30 vidéos. Donc 30 gameplay minimum. Avec 30 gameplay minimum, j'espère au moins finir mon prestige. Ce serait bien si je puisse finir mon prestige durant ce challenge. Ce serait un beau truc aussi en même temps. Ouais, il n'y a personne là. Oui, peut-être qu'il y a du monde, mais je m'en fous. Je passe quand même. Oh putain, j'avais utilisé ma spécia! Mais non! Pourquoi ça arrive qu'à moi? Putain de migration des autres. Bon, tant mieux au fait, c'est ce qu'il fallait parce que, comme on avait remarqué, c'était vraiment très difficile à jouer et je pense vraiment ne pas malheureusement pouvoir vous proposer d'autres vidéos. Faut dire que ça fait 5 ou 6 tentatives que j'essaie de vous proposer pour cette cinquième partie de. Pour cette cinquième partie de challenge que je me suis fait, bah, moi-même du coup. Puis auquel je vous ai proposé, ça a l'air de vous plaire, hein, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Et donc là, je suis vraiment désolé, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire ce soir. Et ce matin, je me suis permis de me péter une grosse mat, une grasse mat. Et vous allez rigoler, mais je me suis levé, il était 11h30, je commençais à 1h le boulot, donc c'est au calme.
Et donc du coup là actuellement il est 6h30 et donc du coup dans une demi-heure je vais manger, le temps de créer la vidéo et le temps de vous l'upload. Ouais donc ça va être en fin de soirée quoi. De toute façon tous les jours je pense vous en proposer une tous les jours à 20h quoi. Je pense que là ça devrait le faire. Bon verdict, est-ce qu'on est toujours dans la partie ou pas? Alors, écran noir, suspense. Suspense, bah c'est-à-dire là, pourquoi écran noir prendra autant de temps? Attendez, j'espère que j'ai pas frisé. Oula, ça devient chaud, ça devient très chaud. Alors, ça donne quoi du coup? Bon, si j'appuie sur PS, bon, allez, je tente d'appuyer sur. Non, mais de toute façon, ça fait écran noir. Ah, c'est bon, nickel, migration des autres. Il a fallu appuyer sur PS pour réactiver le système, on va dire. Bon, on va attendre un petit peu, hein. Étant donné que je faisais quand même une bonne partie, mine de rien. J'avais un bon 2 de ratio, puis j'étais en situation assez correcte. Et j'avais encore mes SS à déployer, même mon foudroiement. J'avais ma spécialité, et je pensais vraiment que j'étais coursé derrière un type qui m'a mis weak. Alors, je pense vraiment que lui, je vais le tuer. Il doit monter les escaliers tranquillement, et moi, j'ai déjà anticipé son déplacement. Alors, vraiment, ça devrait le faire. C'est bizarre, en fait, la migration d'hôte, ça permet de mettre une pause. Je veux dire, par là, comme exemple, on va prendre un exemple concret, c'est un fait vécu de match de foot. Et ben, il y a eu un corner vraiment en toute dernière minute. Oh non, c'est un centre en toute dernière seconde. Bon, on relance une partie du coup. Hop, on relance une partie. Donc, du coup, on jouait au foot, donc j'étais à 93e minute, ouais, vers par là quoi, plus ce temps additionnel. Et ben, oh là, je suis viré là. Ah ouais, c'est nickel, on a déjà trouvé une partie. Ah bah non, je suis viré. Et ouais, c'est ça en fait, les aléas de Call of Duty, c'est ça qui me prend la tête le plus. C'est vraiment un truc de fou ça. Donc on va aller en. On saccage la domination. Oui, donc du coup, je disais un exemple concret de foot. Il y avait une sorte d'arrêt sur image, mais j'aurais bien voulu mettre l'arrêt sur image. Donc il y avait un centre. Donc du coup, je me suis mis en position hors jeu, pas hors jeu. Je mets la tête, mais il y a le poteau à côté. Si je mets la tête, c'est si je m'avance, je vais prendre un coup de crawl un coup de grawl du gardien. Qu'est-ce que je fais du coup? Et donc du coup, instinctivement, bon, gagner 3-0 et c'était vraiment la fin. Vous allez peut-être me prendre pour un gars vraiment bizarre, mais j'ai décidé de lever la jambe à hauteur de la tête pour essayer de toucher la balle. Et je l'ai même pas touché. Je me suis ramassé, j'ai failli me prendre un poteau. Et donc du coup. Et bah ça fait aïe quoi au final. Et là ce qui était marrant c'est que. Donc du coup j'ai loupé l'occasion mais. Ce qui était marrant c'est que là dans Call of Duty il y avait une migration d'hôte, j'ai pu en quelque sorte vous expliquer comment je réagissais. Mais au fait c'était un vrai. C'est à quel point le cerveau humain est tellement puissant, ce que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué durant 30 secondes juste après la migration d'hôte, c'est ce qui se passe vraiment en direct dans mon cerveau. Et vous aussi, vous vous rendez pas compte forcément. Mais tout ce que vous faites, ça fait une détermination logique et ça devient instinctif dans votre tête. Mais quand vous regardez l'instinct que vous avez dès le début, vous vous souvenez tous de votre première partie sur Call of Duty, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. La première partie, je me souviens très bien. Oh bah tiens, mon petit frère a réagi, s'est déconnecté. Donc la première partie, je me souviens très bien que j'avais pas les mêmes moyens de jeu, les mêmes déplacements, les mêmes réflexes et tout. Et ben en fait, ça, je me suis dit, ouais, instinctivement, comment ils sont balèzes et tout. Et bah maintenant, on se rend compte que comparé à avant, c'est pas, on a au fait, on n'a pas forcément progressé. C'est notre instinct qui progresse, c'est nos réflexes qui progressent, mais on ne sait pas qu'on progresse. C'est bizarre en fait la façon dont je vous la présente. Mais j'espère que vous auriez compris. Est-ce que le message, en tout cas, que j'ai à vous passer dans cette petite vidéo, c'est ce que je viens juste de vous expliquer. J'espère que vous l'auriez compris, quoi. Bon, je sais que je m'embrouille à vous expliquer les trucs, mais aussi bien vous vous dites derrière votre écran, bah, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère? Vas-y, joue. Nous, on est là pour voir du Call of, on est là pour parler d'armes, on est là pour killer et tout. Vous voulez killer, vous voulez jouer, bah jouez les garçons, jouez. Moi en tout cas, je m'en vais manger. Non, une petite blagounette que j'ai faite au boulot en référence à comment s'appelle au film Les Sous-doués passent leur bac là, c'est plutôt rigolo quoi. Donc ça, moi, ce quatrième challenge va s'avérer être plus long que les autres. Non, ce cinquième. Ça, oui, donc du coup, je vous ai proposé, comme je vous ai dit, non, je crois que c'était au début de cette vidéo, où je me souviens plus. Bref, je vais quand même vous le répéter, parce que je suis pas sûr de vous l'avoir proposé. C'était donc, oula, attendez que je le tue lui. C'était le truc que je vous ai proposé, c'était le quatrième challenge, c'était pour voir si vous appréciez les sujets de loi d'attraction et tout, les sujets de bourse, de gagner, enfin de vie quoi, de formation de vie et tout quoi. Là, oh non, putain, je pensais vraiment de l'avoir lui.
Donc toi tu vas te faire tuer. Oula, on se fait dominer cash dès le départ. Donc voilà, donc si vous auriez compris que si vous avez regardé le quatrième challenge, qu'il fallait répondre dans les commentaires si oui ou non vous étiez positif ou négatif à ces sujets, pour que je vous raconte un petit peu des trucs concrets en même temps que, bah pourquoi pas, vous dire quelques informations que vous ne connaissiez pas avant, et puis que maintenant vous pouviez connaître. Oula, donc là ça, c'est craignos hein, ici. Hein. Ouais, on va tout de suite dégager d'ici parce que... Je m'en doutais qu'elle allait avoir du monde. Ouais, la connexion, c'est vraiment chaud aussi, la connexion. C'est la PS3. Bienvenue sur la PlayStation 3, les amis. Désolé pour les joueurs PS4, mais là, vous devez vous péter les yeux à essayer de comprendre, enfin, du moins, regarder le gameplay. C'est quoi cette connexion? Comment tu fais pour jouer avec ça? Authentique, réveille-toi, achète la PS4. Ouais, je sais, mais on verra ça un peu plus tard. Tu me donnes l'argent, enfin un deal. Tu me donnes l'argent, j'achète la PS4, aucun souci. Non, je rigole. Pas besoin. Là, ça devient chaud là. Il y a du monde, il y a mon sixième sens qui arrête pas de s'éveiller partout. Ah ouais, je vois où ils sont. Essayer de les back. Non, c'est bon, il y a l'allié va s'en occuper. On pousse sur A. Ok, je me suis fait repérer. Ah putain, je m'en doutais, parce que j'avais tiré et son silencieux, c'est vrai que c'est très difficile à gérer les déplacements d'adverses. Tu sais directement qu'ils vont tous arriver sur le point, comme si t'étais un bout de viande ou quoi que ce soit. Oula, je me suis fait ratamer là, bien joué à toi, sniper. Il s'agit de prendre un méchant flash cop. Donc toi t'es où? Lui, il reste tout le temps ici. Il a pas compris qu'à chaque fois que je passe, ça fait deux fois de suite que je le tue exactement à la même position. Il doit se dire, oh c'est super les gars, j'ai découvert un endroit secret dans Combine. C'est en dessous le pont là sur B. Oui, bah on sait, généralement quand il y a du monde qui va, ils sont tous tués quoi. Regardez, il va encore y être là, non? C'est bon, tu l'as ajusté tranquille, t'es. Oh non, mais c'est pas possible, j'ai bien donné 3 ou 4 rafales au type. Bon, ça va rien, on va aller forcer vraiment dans la zone SMG, enfin, essayer d'aller arriver directement dans le spawn adverse. Du moins, faudrait prendre contrôle de la petite baraque à ma gauche pour pouvoir prendre contrôle en quelque sorte de la partie. Parce que si on prend contrôle de la baraque à gauche et qu'ils ont toujours les spawns sur A, et ben ça pourrait être s'avère très utile, du sens où on pourrait prendre contrôle du spawn et les bloquer. Par contre, là, le mec, ils sont cons, les alliés, n'empêche. Ils passent à côté du point C, ils entendent on va perdre Charlie, mais non, ça vaut pas le coup. De regarder. Merde. Oh putain, j'avais vu au dernier moment lui. Oh putain. Mais oui, il y a vraiment des tapis de sel dans cette game. Entre le mec qui se met tout le temps sur point B en dessous le pont là, il a pas compris qu'il se faisait toujours tuer tout le temps à la même place. Là le mec il s'allonge ici, le prochain coup que je vais passer, je parie combien qu'on va le retrouver ici et que je vais leur tuer, il va toujours pas comprendre. Là, il y a du monde derrière moi. Hop, toi tu crèves. Hop, petit triple field. Oula, là c'est moi qui ai envie de crever. Bon, on a fait une petite triple, mais ça se voit pas au résultat. Hein. Il y a pas encore de résultat dans ce gameplay. On est plutôt en train de se faire. On est plutôt en train de perdre quoi. C'est un petit peu serré, mais sans plus, ils ont une légère avantage. Putain, mais comment ça se fait que j'arrive pas à l'avoir lui? Que j'arrive à les back. Ouah, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais ils mettent plein de trucs là. Allez-y, hein, allez-y à 6 pendant que vous y êtes. Allez-y à 6, hein, comme ça au moins vous êtes sûr de pas vous faire tuer. Hein. Mettez tout ce que vous aviez en truc de noob là qui permet de protéger un endroit et camper tout simplement. Bah je comprends pas ça, mais ils sont tous en mode visé, mais ils bougent pas, hein. Mais ils bougent pas quand je dis bouge pas. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis fait jamais tuer par quelqu'un qui arrivait comme moi quoi. Il y a le mec, il est encore là-bas, je parie. Mange ma grenade. Bon là, c'est vraiment très modeste hein, le petit gameplay que je vous propose, mais on va se rattraper. Enfin le petit, étant donné quand même là, ça fait déjà... Ouais, ça fait un bon quart d'heure, hein. Ouais c'est ça, presque un quart d'heure.
Hop là, 15 minutes notées. Vous venez juste de perdre 15 minutes de votre vie, hein? Non, je rigole, c'est un divertissement YouTube. C'est le mec qui dit ça tout le temps. Ah, c'est bien, merci d'avoir perdu 10 minutes de vie à me consacrer, hein. Vous avez tous été super gentils. Le mec qui fait 3 millions de vues par vidéo, il dit à ces 3 millions de personnes, bah, les gars, vous avez perdu du temps. Comment allez-vous le rattraper maintenant? La nouvelle question. Oh là, ça c'est chaud par contre. Putain, les bugs de connexion et tout. Franchement, je suis halluciné par la qualité de la PlayStation 3, c'est horrible. Toi, tu vas crever. Ok, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Je t'avais dit que t'allais crever. Ah merde, je pensais vraiment qu'il allait se mettre derrière le petit rocher comme il m'a eu à la précédente mi-temps. Mais ça n'a pas marché. Il y a le mec qui peut être à gauche, à droite, il peut être allongé partout, c'est ça qui est chiant là-dedans. Quand on tombe dans une accueil pourrite comme ça, c'est vrai que c'est très difficile à jouer. On est obligé vraiment de se préoccuper de partout, les petits endroits, les petits corners et tout. Ah, c'est ça qui est chiant. Si j'aurais été en silencieux là, je pense que je suis prêt à parier que j'aurais été toujours en vie. Mais le souci, c'est que ça attire directement comme un bout de viande autour des chiens, quoi. Pas de soucis, les gars, j'ai trouvé votre truc maintenant. Vous êtes sur Mythique ou quoi que ce soit, bah abandonnez Mythique, allez sur Call of Duty. Attends un petit peu ici. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Eh ouais, allez, vas-y, saute, 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 grenade, grenade, grenade. Oh. Je m'en doutais, je m'en doutais. Là, c'est chaud, en fait. Attends, est-ce que j'ai une secondaire? Bah oui, j'ai une secondaire, putain. Ok, super. Cette grenade va exploser, non? Non, non, bah non. C'était super inutile. Là, on va se faire, là, honnêtement, je suis vraiment motivé à vous proposer un bon gameplay. Alors, je vous garantis que là, si il n'y a pas de au moins une fois tous mes SS qui va sortir, alors là, je vous fais. J'augmente le challenge à 50. C'est le mec là, il est complètement barré dans son truc. Au bout de 50, il va dire à la 50e vidéo, si j'arrive pas à faire 10 000 frags d'affilée, les gars, bah, j'augmente à 100 000 vidéos. Oula, c'est chaud, oula, c'est chaud, oula, c'est chaud, oula, c'est très chaud. Ah oui, là c'était très dur, c'était très dur là. Oula, c'était vraiment très dur. J'avais anticipé ça encore, en plus je m'en doutais qu'ils étaient tous barrés dans leur spawn à faire leur petite campette là à moitié. Ah, ça va, il y a un mec qui se fait plaisir en tout cas dans la team, c'est bon à savoir ça. Super. Là, le mec il dit dans sa tête, il dit dans sa tête, ouais, peut-être que si je m'allonge, peut-être que l'hélicoptère va pas me voir, tu vois. On va tout perdre là, mais on a tout. Une rafale, oula, ça tombe rapidement quand même. Hein. Je suppose qu'il était weak déjà le type. Oh non, on va pas perdre c'est maintenant. Putain, j'ai pas le temps de savoir le spawn. Ce serait bien de leur laisser, les gars, juste une petite position, histoire de dire d'anticiper leur espace, leur déplacement, oui. Personne ici. Putain, il m'a fait peur, lui, le con. Toi, tu as crevé. Oula. Oula, c'est bien chaud. Oula. Je sais pas si vous avez trop compris ce qui s'est passé là. En tout cas, moi non. T'as compris? Bah tant mieux, moi non. Ça se présente bien. Poursuivez la mission. Oui, j'ai compris qu'il y a un lag de connexion. Voilà. Au moins, j'ai pas augmenté mon challenge à 50 là, comme je vous ai dit. Putain, c'est quoi ces connexions là? Putain, là, c'est vraiment trop. Limite, c'est trop marrant, mais je suis vraiment navré de vous annoncer ça, mais j'ai vraiment pas le temps de recommencer. Après, je dois faire des recherches sur la bourse. Tous les soirs, je mets environ, allez, 1 heure de recherche. Reaper démonté, comment il parle, hein?
Ça va, triple. C'est bien payé quand même pour un petit truc. Pour un foudroiement là. Par contre, si je me continue à me trimballer n'importe comment, ça va pas le faire. Vas-y, bah donne des points. Pour essayer de monter au classement, ce serait bien que je vous propose un petit podium. Alors, est-ce qu'on est au podium? Parce que je me suis jamais vu jusqu'à présent sur le podium. Alors, verdict. Donc, cliquons sur select. Podium de la team, mais pas podium de la partie. Bon, un petit 27-17 à vous proposer. Je suis vraiment navré pour la qualité, enfin la prestation du gameplay, mais j'ai pas mieux malheureusement à vous proposer. Comme on dit, on peut pas être fort tous les jours partout, quoi. Hein, parle de prétentieux. Allez, si cette petite cinquième challenge t'aurait plu, bah n'hésite pas à lâcher un j'aime, un commentaire, comme d'habitude. Tu me dis n'importe quoi. Dis-moi que tu m'aimes, tiens, si t'as entendu cette vidéo jusqu'à la fin. Allez, ciao les gars, à demain. Allez, peace. Passez une bonne soirée.